Bonjour, voici le troisième jeu de Labyrinthe 3D existant sur la gamme des ordinateurs Thomson. Alors il s'agit de Labyrinthe Survie. Un petit jeu de Nathan sorti en 1984. Il fonctionne sur toute la gamme des ordinateurs Thomson, de TO7 à TO9+, en passant par MO5 et MO6. Alors dans ce petit jeu, enfin on va voir la règle du jeu. Donc Labyrinthe Survie, on a un petit écran de présentation animé avec un Ouistiti qui tire une banderole. Et le jeu a été créé par Alain Rigolo. D'ailleurs, le jeu est très rigolo lui-même. Donc Whisky, le petit singe, doit traverser le labyrinthe pour rejoindre ses amis. Tu dois l'aider à retrouver son chemin, mais attention, Whisky se fatigue très vite et sa provision de bananes s'épuise rapidement. Pour avoir assez de nourriture jusqu'à la sortie, il faut donc récolter quelques-uns des régimes de bananes. Un régime, c'est un groupe de bananes en fait, qui sont cachés au fond des impasses. Pour avancer, il suffit de pousser la manette de jeu en avant. Les autres positions permettent de regarder à gauche ou à droite ou de faire demi-tour. Si tu es perdu, appuie sur le bouton action pour voir où est Whisky sur le plan du labyrinthe. Mais ceci enlève quelques bananes. Donc on démarre le jeu, il demande le nombre de lignes et de colonnes. Alors contrairement au jeu de labyrinthe d'essai de Daniel Coulon, là, on va pas jusqu'à 30 par 30, on va jusqu'à 10 au maximum. Donc, on va prendre 8. 8 colonnes et 7 lignes, ça va être suffisant. Et donc là, c'est un jeu de labyrinthe 3D. C'est le troisième jeu de labyrinthe 3D que je vous présente ce soir sur Thomson. Donc, il trace le labyrinthe et en passage, il va poster quelques bananes. Alors, il y a une stratégie pour essayer de résoudre de se remémorer le labyrinthe jusqu'au bout. Une banane, en fait, deux déplacements, ça fait dépenser une banane. Deux déplacements, donc. En avant, à chaque fois que vous dépassez deux cases en avant, ça dépense une banane. Donc là, j'utilise un labyrinthe assez simple de 8 sur 7. Alors, c'est vrai que le moteur de création de labyrinthe, il est un peu lent, je trouve. Je pense que si ça avait été fait en assembleur, ça irait plus vite. Avec les piles. Voilà. Ok. Donc j'essaye de voir par où il faut passer pour aller. Ok. C'est bon, je démarre. On est à droite. Donc vous voyez, on a un labyrinthe en fil de fer, mais avec les murs qui sont placés en face, de face, qui sont complètement coloriés en bleu. Donc c'est plutôt... Alors vous voyez, alors je vais faire un deuxième déplacement, il y aura une banane qui va disparaître en haut. Voilà, tous les deux déplacements, on a une banane qui disparaît. Par contre, quand on tourne à droite ou à gauche, on regarde à droite ou à gauche, il n'y a pas de... Là, j'ai récupéré quelques bananes. Ouais, j'ai un sacré stock là. Donc en fait, les stocks de bananes qu'on récupère, ça permet d'aller plus loin dans le jeu. Enfin, ça dépend comment on fait en fait. Donc là, j'ai fait par stratégie, j'ai mémorisé ce qu'il fallait faire. Donc c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Je trouve le moteur un peu lent, mais c'est pas écrit en assembleur, je pense. Le moteur de Labyrinthe 3D. Donc en fait, le singe, il s'appelle Whisky. Hein. Whisky, c'est un petit Ouistiti, et il doit trouver la sortie. C'est un jeu qui fait appel à la stratégie et à la mémoire. Et aussi au comptage, parce que quand on compte le nombre de bananes, et on regarde le nombre de déplacements qu'il y a à faire pour aller jusqu'au bout. Donc c'est dès le début du jeu qu'il faut... Il faut essayer d'élaborer quelle est la meilleure solution pour aller à la fin. Normalement là j'ai eu assez de bananes pour aller jusqu'à la fin là, hop. Je
Je sais pas si on peut faire plus vite sur Thomson, sur un Thomson Amiga au niveau du labyrinthe. En tout cas, c'est pas plus lent qu'un Apple II. Hein. J'ai vérifié, il y a des jeux Apple II, ils sont. Je pense que. Bon, de toute façon, je vous montrerai un dernier jeu après qui va faire voir qu'un Thomson, ça peut être très très rapide en fait. En assembleur. Là, c'est écrit en basique en fait. Ça aurait été écrit en assembleur, ça aurait été beaucoup plus rapide. En tout cas, j'ai mémorisé le truc. Je sais la stratégie qu'il fallait adopter. J'ai dû me planter, alors là je vois où j'en suis là. Ok, je me suis pas planté, c'est bon. Par contre, j'aurais peut-être pas assez de bananes pour aller jusqu'au bout. Bon, on verra. Donc à mon avis, j'irai pas assez de bananes, je vais perdre. Hop. Bon, c'est pas grave. Donc c'est le but, c'est de vous présenter le principe du jeu. Donc voilà. On va mettre arrivé à la fin du jeu, là, je vais perdre. Donc ça s'appelle Labyrinthe Survie, c'est un jeu de labyrinthe 3D. Vous interprétez le rôle de Whisky. Et voilà, j'ai perdu. Voilà, c'était Labyrinthe Survie, donc un jeu de Nathan, sorti en 1984 pour toute la gamme des ordinateurs Thomson. C'était un jeu de labyrinthe 3D. Donc je mets tous les descriptifs dans le descriptif de la page YouTube, enfin dans le texte de la page YouTube, notamment le lien pour aller sur la DC Moto pour aller télécharger le jeu. A très bientôt pour un nouveau une nouvelle présentation de jeu Thomson.